Bonjour à tous mes petits cyclopathes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue aux 34 nouveaux arrivants qui sont arrivés ce mois-ci sur la chaîne. J'espère qu'on va faire un petit bout de chemin ensemble. On est fin janvier et janvier généralement rime pour moi avec foncier, que ce soit en VTT ou en vélo de route. Cette fois j'ai les guibolles, je vous emmène avec moi dans mon premier 100 km de l'année. Sachant que j'ai déjà fait une sortie club hier de 65 km, allure tranquille, eh bien je pense que pour le week-end ça fait une bonne base et un bon entraînement pour les objectifs qui arrivent bientôt. Allez, si vous êtes prêts et qu'apparemment bah moi aussi, c'est parti. C'est aussi pour moi l'occasion de cette vidéo de lancer enfin le jeu concours pour remporter des lots. Et ça, j'ai enfin bouclé le jeu concours, j'ai enfin bouclé les lots à gagner. J'ai un peu de retard, je m'en excuse. Donc justement, les lots, parlons-en. Vous aurez la possibilité de remporter au choix un casque de la marque One et un tour de cou de la marque FaceGuard. Sachez que les casques sont disponibles uniquement malheureusement en S, M au niveau des tailles. Désolé pour ceux qui ont des têtes un peu plus grandes. Ensuite, vous pourrez gagner un kit de réparation, voilà, Nose, qui vous avait bien plu. Voilà, et j'ajoute des démons de pneus de la marque Between. Et ensuite, troisième lot, eh bien, un petit lot d'énergie bar, voilà, de nourriture en cas de petit creux sur le vélo. Donc si vous êtes intéressé par le gain de ces lots, eh bien restez attentif à ce qui se passera dans la vidéo. Et pour savoir ce qu'il faudra faire et ce qu'il y aura à gagner, vous le verrez plus tard dans cette vidéo. Et première petite difficulté, kilomètre 12, petite ascension un peu raide. Il dure à peu près 800 mètres. Rien de méchant. Qui permet de finir l'échauffement tranquillement. Bon, cette année, j'ai décidé de vous faire découvrir un peu plus mon département, qui est la Sarthe. Voilà, on ira faire quelques petits tours aussi en Mayenne, généralement, pour aller chercher du dénivelé. Et je pense que ça va être chouette de vous faire découvrir tous ces petits villages bordés ou pas par la Sarthe. Il y a toujours un petit quelque chose à aller voir, toujours une petite surprise qui se cache là, architecturale, culturelle. Voilà. Donc cette année, vu que j'augmente pas mal les distances d'entraînement, vous voyez 65 km hier, 100 km aujourd'hui, dès que je peux, et dès que je le dois surtout, eh bien, ce sera l'occasion de faire de plus belles images et de faire un peu moins de blabla dans les vlogs et de remplir un peu plus parce que je sais que c'est principalement ce qui vous plaît sur la chaîne. Et là, sur ma droite, belle petite église de la ville de Cromières, direction La Flèche. Kilomètre 20, on arrive en direction de La Flèche. Si vous connaissez pas La Flèche, j'ai fait une vidéo sur le sujet l'an dernier. Je vous laisse une fiche en haut de l'écran. Alors je sais pas si parmi vous il y a des amateurs de belles voitures, mais là je pense que on est servi. Deux Alpines, deux Mazda. On n'est pas très loin du circuit des 24 heures du Mans, donc forcément les voitures de cet acabit c'est assez courant par chez nous.
Bon, comme vous pouvez le voir, à la sortie de la flèche direction le Lude, c'est 100% cyclable jusqu'à Vendôme. On suit la vallée du Loir. Là, c'est itinéraire 100% cyclable. Et un itinéraire 100% cyclable sur 116 km, c'est quand même pas mal. Bon, après, les itinéraires cyclables comme celui-là, il y en a qui vont trouver que c'est long, que c'est ennuyant. Après, ouais, c'est un peu rectiligne, c'est un peu toujours le même paysage, certes. Mais comme vous pouvez l'entendre, à côté de moi, c'est une départementale entre deux grosses villes sartoises. Je peux vous dire que ça roule pas mal. Pas toujours à la vitesse indiquée, donc me dire que sur 20 km, là, je suis tranquille, pas une voiture, rien. À part 2-3 passages comme celui-ci, bah de nos jours c'est quand même bien rassurant. Moi je pense à ceux qui font du vélo loisir, plaisir. De toute façon on fait tous du vélo plaisir ou loisir, même ceux qui font de la compétition, hein, ils le font pour parce qu'ils aiment ça. Sauf cas exceptionnel. Mais bon. Là, c'est propre, c'est entretenu, c'est mieux que les bandes cyclables qu'on peut trouver sur le côté des routes, qui elles sont catastrophes entre bris de verre, sabotage, hein, carrément des sabotages, plus les cailloux, les caniveaux, les bandes blanches glissantes. Ouais, on n'est pas perdant à utiliser, même si c'est monotone, même si c'est toujours tout droit. Là, on n'est pas perdant. Allez, kilomètre 30. Je suis actuellement entre la flèche et le Lude. Et c'est l'heure du premier ravito. Déjà 700 calories brûlées. Il me reste que 30% de batterie sur mon Garmin. Je pense que ça va être compliqué d'avoir les détails de la sortie. Cet hiver, j'ai renouvelé pas mal d'équipements. J'ai testé une nouvelle veste, de nouveaux gants, et je vous en parlerai bientôt en vidéo. Je suis actuellement en train de tester une nouvelle selle. Pour l'instant, c'est pas concluant, parce que ma Kappa RS Pro Logo est commencé vraiment à être fatiguée. Elle est commencée à devenir souple, vraiment très souple dans le milieu. Là, j'ai changé pour une un petit peu plus rigide. J'ai eu peur que la Pro Logo casse dans le milieu. Du coup, j'ai changé. J'ai pris un modèle évidé pour essayer de me soulager. Pour l'instant, c'est pas concluant. Bonjour. Ah, j'ai oublié ma sonnette. Ah. Je suis aussi coupable. C'est bon. Bonne fin de journée, bonne promenade. Merci.
On est devant l'ancienne gare de Luché-Pringé. Pas toute jeune. L'ambulance qui est à côté aussi, elle est pas toute jeune. Allez. Encore 8 700 km. Et on arrive au point où on devra faire demi-tour. En tout cas, c'est bien sympa. Le Lude, on y est. Site historique Val-de-Loire et un château qui date de la Renaissance. Allez, on fait un petit tour, je vous montre ça. Ça, c'est de la route pavée, hein. Donc on est devant l'hospice du Lude, fondé en 1706 et apparemment toujours en activité. Incroyable. Donc comme vous avez pu le voir, on est passé au château du Lude, qui était mon point de retour, mon point de demi-tour. Le château du Lude, on ira le visiter parce qu'il est vraiment très très intéressant. Et on ira le visiter et cette vidéo sortira sur ma chaîne secondaire Exploration Enchantée. Allez vous abonner si la visite de ce château vous intéresse. Actuellement il est fermé, il ouvrira que pour la période des vacances scolaires. Nous on ira sûrement le visiter au printemps. Donc restez à l'écoute. Allez, petite pause dans un endroit à peu près calme où il y a un petit banc en pierre sympa. Pour vous parler du jeu concours. Ça y est, enfin, hein, je suis un peu à la bourre, désolé, mais au moins ça a permis de faire le tri avec ceux qui sont abonnés uniquement pour ça. Quand ils ont vu que ça sortait pas dans la première quinzaine de janvier, bah, ils se sont désabonnés. Donc voilà. Cette année, il y aura 3 lots à gagner. Donc l'un par le biais de mon jeu, d'un jeu concours, tout simplement. Vous m'envoyez vos photos par mes réseaux sociaux. Vous m'envoyez la plus belle photo de vous, de votre vélo. Du monument que vous préférez, du paysage que vous préférez, bref, la photo que vous préférez, celle qui est dans votre téléphone. Et puis c'est Madame les petits vlogs à vélo qui fera la sélection. Et j'annoncerai les gagnants dans une prochaine vidéo. Nouveau passage par la Flèche.
la merde, qu'est-ce que je fous là moi? Oula! Il y avait pas une déviation là? C'est débile ça! Ah oui, qu'est-ce qu'il fout là lui? Route barrée, abruti! Ah oui, je pensais que c'était moi qui m'étais trompé, mais non, non, c'est bien lui qui avait pris une voie interdite. Faut chier. Voiture sans permis, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il dira, moi je l'ai pas non plus le permis, et pourtant ça m'empêche pas de respecter le code de la route. Allez, kilomètre 75. J'attaque la plus grosse difficulté de la journée. Et j'ai mon boîtier de pédalier qui fait un bruit. Je pense que toute cette boue et cette flotte, ces derniers temps, pas vraiment dû apprécier. Un kilomètre 400 d'ascension avec les plus forts pourcentages sur les 600 derniers mètres. Là on est encore dans la partie où on rigole. Hop, ça y est, on est dans le dur. Bon, et ben voilà, comme je le pensais, plus de batterie dans la S360, plus de batterie dans le GPS, mais bon, voilà, j'ai les données grâce à... J'ai terminé avec Komoot sur mon téléphone, 102 km, 24,5 de moyenne quasiment, on est sur quelque chose de plutôt plat, hein. je crois qu'il y avait 450 mètres de dénivelé grand maximum, et voilà, et ben écoutez... Premier 100 km de l'année avec la petite sortie de 65 km d'hier, ça fait 165 km dans le week-end, plus les 72 km de vélo taf dans la semaine. C'est pas mal. Pour travailler le foncier, je pense que c'est vraiment pas mal. Et puis voilà, on remet ça la semaine prochaine en espérant qu'on ait un aussi beau temps, qu'il fasse aussi bon. Et puis on continue. De votre côté à vous, pensez à participer au jeu concours si vraiment ça vous intéresse. Et puis j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, likez, commentez et partagez cette vidéo si le cœur vous en dit. Moi je vous dis à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Je vais aller défoncer mon frigo et je vais aller défoncer ma douche. Tchuss les cyclopathes.